Yop et yep à toutes et à tous, ici Tyrène. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de KOTOR. Donc, je check les sauvegardes. C'est la sauvegarde rapide la plus proche. Donc, on devait s'occuper du cas de quelqu'un de prisonnier. Il me semble. Donc, nous allons la voir immédiatement. Cette jeune femme. Non, tu ne mourras pas. Tu respectes. Il manque quelqu'un. Attention. Et ça passe nickel. Donc on a la serveuse qui est ici. Je vais juste... Bon, on va parler, hein. Je vais le faire à l'instant. Mais je sais ce que vous avez voté. Ne me faites pas de mal. Je suis juste serveuse. Vous avez voté une mort rapide et silencieuse. Du coup... Mon nom. Mais je ne sais rien. Voilà. J'en savais peut-être. Eh bien. Quoi ? Voilà, tout ça on avait déjà dit. Donc, maintenant, on va la tuer. Il serait trop risqué de vous laisser en vie. Je regrette, mais on dirait que vous avez tiré le mauvais numéro. Attendez, cette fille ne constitue pas une menace. Mademoiselle, quittez cet endroit au plus vite, avant que les Vulcains ne reviennent. Je peux partir. Vous n'allez pas me tuer, je ne sais pas comment vous remercier. Merci. Il faut que je file avant que les Vulcains me re... Kars. Ah, c'est bon. Hein. Méchant Kars. Des crédits, grenades et des programmes d'intrusion. Les bars sont fermés. Bretik en a marre des bagarres d'ivrogne. Mais tu n'es pas un Vulcain noir, toi? Seul le prix d'espion paie que je vais... Je suis désolé pour le Stropole, du coup, complètement useless. Mais bon. J'y peux rien, le jeu ne veut pas que je tue des gens. Ah la vache! C'est le bar, ok. Non. Bah. Un, raté. Tire. Ça fait pas de dégâts. Ça fait vraiment pas de dégâts, quoi. C'est triste. Tyrène, debout. Hein? Une épée courte simulant. Ok. On finit de ratisser la zone. Ok, alors changement de plan, on n'a pas si blaster rayon. Ouais. Go. Quoi? Ça fait pas mal non plus, vous, c'est cool. Les... Ok, on a commencé un combat un peu long. On va mettre un bouclier d'énergie et on va l'activer. Voilà. Maintenant, ils peuvent plus me faire mal. Tant que les dégâts n'ont pas été totalement... Enfin, la limite de dégâts à absorber n'est pas atteinte. Oui. Ouh là là, c'est pas glorieux. Merde! Bon bah, ellipse, hein. Ouais. Bien sûr. Débarque.
32, joli, joli. Bien sûr. Voilà, re. Donc on a un droïde. Ne me touche pas. Ah, il m'a touché. T'as arrêté de courir n'importe où et tirer, ça fait. Voilà. Bien. Donc je ne sais plus exactement ce que nous avions déjà fait. C'est ça la carte. Ça, c'est indispensable. Voyons voir ce que ça fait. Je peux l'utiliser ? Je peux l'utiliser, ça c'est cool. Mais ce n'est pas ça que nous visons pour l'instant. Nous visons le centre de commande. Encore une sauvegarde rapide. Je vais un peu les spammer hein, quand j'ai plus de vie. Ok, tant pis. Ouais. Tant bien, ils ont pas bougé. Bien sûr. Voilà. Non, il est aussi fort en informatique. Je croyais que non, mais... Ok, ça c'est bon. Salle commune, ça c'est bon. Ok, et commande. Je peux ouvrir toutes les portes blindées, c'est pas mal. Télécharger le plan du secteur, on s'en fout. Ouvrir les portes blindées. Et voilà. Du coup, je vais quand même aller. Ça me stresse, je sais pas ce que c'est l'autre. On va aller voir. On va aller voir. Non, mais c'est une blague. Bon, bah, on n'a pas vraiment le choix. J'ai ouvert toutes les portes blindées déjà ouvertes. Du coup, je vais m'occuper de l'ascenseur maintenant. J'aime pas trop cette idée, mais bon. Comme je vous l'ai dit, je connais le jeu, mais ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué. Et... On va faire ça. Ok. M'en fous, il est immortel. Moi, je dis vivement qu'on ait les implants de régénération. C'est quand même bien sûr surpuissant, quoi. Parce qu'en cette situation, on a juste à attendre et on redevient full life. Ok. Quoi? Tu peux crocheter, toi. Ok, donc on fera pas long feu. Mais on va quand même essayer. C'est bon. Si. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. C'est plutôt la merde. Ouais. Mais non. Ouais. Ah.
Magnifique. Le gros porc qui nous bat. Magnifique. Et du coup... Bien sûr. C'est bon. Oui. Facile. Hein? Ouais. Ok. N'y va pas. Ok, du coup on va pas faire des attaques puissantes si ce mec s'est esquivé. On va faire des attaques classiques. Moins de dégâts, mais plus de chances de toucher. Ouais non, en fait il est vraiment beaucoup trop fort pour nous je crois. Du coup il a pas chargé, magnifique. Et le jeu semble avoir planté. Bon bah, à tout de suite. Ah non c'est bon. Du coup on va faire les choses bien. On va faire les choses bien. C'est-à-dire, plus personne à poil, ok. Tout le monde s'habille. J'ai dit que tout le monde s'habillait comme ça. Et toi aussi même. Voilà, tout le monde prend un medipack. Ouais. Hein? Sauf moi, je prends un medipack amélioré. Parce que je suis un bâtard. Ouais. Ok, c'est parti. Active l'énergie. Face. Si. Oula, non. Tu fais ça. C'est quand même un jeu où faut pas rater le bouton, hein, sinon on le regrette. Hein? Non. T'as assommé la tourelle. C'est fini! Oh yes, je gagne un niveau full life. Bah, niveau vie, j'étais plutôt bien. Je sais pas si Kars s'est pris un coup, mais. Un fusil à ion! Ça a de la gueule. Un fusil désintégrateur. Alors, de mémoire, le fusil désintégrateur, c'est comme les autres fusils, sauf qu'il n'y a aucune protection possible contre lui. Du coup, c'est comme un vibre-lame, c'est dégâts immédiats. Sauf que même non, même certains vibro-lames, je crois qu'il y a des défenses contre, mais je sais plus. Mais la fragmentation intermédiaire, c'est toujours cool. Combinaison de militaire et combinaison de combat lourde. De quoi améliorer un vibro-lame, je crois, et de quoi améliorer une armure. Je récupère tout. Et toi, des crédits. Tout le monde aime les crédits. Alors on va augmenter ça. Gain automatique, personnalisé. Bah personnalisé, évidemment. Compétences, fais voir ce qu'il me propose de base. Ça me paraît très très bien. Mais donc, ah, esquive instinctive 2. Je sais pas où il est, il est là. Il conserve son bonus de dextérité en défense, même s'il est pris au dépourvu et attaqué par une créature qui mouflait, bénéficie également d'un bonus de plus 4 au jet de sauvegarde contre les grenades. Ce qui me paraît bien pratique. Et on va acheter peut-être la dernière compétence de corps à corps. Science de la robustesse, ouais, non. T'es déjà un champion au corps à corps ou pas? Plus un avec les armes de corps à corps, ça peut être pas mal. Bah, on va pas se prendre la tête, hein. Je vais regarder vite fait. Hop, hop, hop. Prudence, je peux pas mettre ça. Niveau 8, condition, ok. Je vais augmenter mon coup critique. Voilà. Dans mes autres parties, je me mettais toujours les trois compétences de base, comme ça je suis très polyvalent face à tous les ennemis. Bon, par contre, on n'ira pas bien loin, hein. Du coup je sauvegarde à chaque fois. Vraiment pas bien loin. Ah, je crois que le fusil désintégrateur fait moins mal que l'arbalète Wookie. Mais comme rien ne peut l'arrêter, ça peut être pas mal. 1-6, vous voyez. Et fusil à ion 1-6, de plus 2 plus 12 contre les... de 2 à 12 contre les droïdes. Du coup, c'est ultra efficace contre les droïdes. Et comme il y en a partout... C'est bon. Bonjour. Attendez, je vous reconnais pas. Ah, vous travaillez au labo, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites ici, dans cette partie du bâtiment réservée aux mécaniciens? Vous êtes perdus ou quoi? Je répondrai bien, mais j'ai pas de dialogue.
Vous croyez que je peux pas me défendre parce que je suis vieux? Ben, je vous conseille de pas trop me chauffer. Si vous avez une question, posez-la. Si je peux vous aider, allez, soyez pas type. Mais bon. Ok. Ça a bugué complètement, on va réessayer. Bonjour. Ok, bon bah... Eh, hey, vous fâchez pas. La violence, c'est un truc de vulgaire, ok? Après tout, les mécanos et les laborantins, on est civilisés. Croyez pas? Si vous avez une question, posez-la. Si je peux vous aider... Bon, d'accord. Si vous avez besoin d'autre chose, venez me voir. C'est une zone restreinte. Tous les mécanos doivent changer leur carte après le service. C'est le règlement. Moi, j'ai plus ma carte. Puisque je suis plus en service. De toute façon, il est hors de question que je la prête à qui que ce soit. Bien sûr, tous les mécanos ne suivent pas le règlement à la lettre. J'ai même entendu dire que certains acceptent d'échanger leur carte d'accès contre une dose d'épices. Oh, c'est drogué. Les épices, ça me fait beaucoup penser à Dune. Et tout le marché d'épices. Mais pour ça, très bon bouquin, très bon film. Il faut d'abord trouver un moyen de déclencher le chauffage sans désactiver le système de sécurité thermique de l'ascenseur qui mène au garage. Sinon... La cellule d'énergie sera inaccessible. Bah, je suis ravi de le savoir. Hein ? On peut essayer de parler. Parce que c'est vraiment bizarre. Ok, ça c'est à moi. Ça c'est à moi aussi. En fait, je suis un chat. J'arrive à moi. Ça c'est à moi, à moi. Encore vous ? Je peux pas vous en vouloir. On va arrêter de lui parler. Il y a des trucs trop aléatoires avec ça. Des portes qui s'ouvrent pas. Et je suis sûr qu'il y avait un ennemi là-bas. Non. Ok. Réflexe. Ok, donc il y a eu un triple réflexe, c'est pas mal. Et on les achève. C'est plus ou moins une domination. Plus ou moins. Et cette porte ne s'ouvre pas. Peut-être qu'il y a un autre moyen de l'ouvrir. Celle-là, elle s'ouvre. Ouais. C'est bon. Bien sûr. Facile. Coucou. Dommage, je l'ai pas stun. Et c'est à 15 de revenir full life. Magnifique, personnalisé, compétences. Tu mets tout en premier secours. De toute façon, t'es pas très intelligent pour avoir d'autres trucs. Du coup, on peut enchaîner avec plus de robustesse. Non, ce serait bien qu'il ait autre chose, quoi. Déluge de coups. Ça diminue sa défense. Ouais, on... Ah. Non, il peut pas. J'ai cru qu'il pouvait, mais... Accepté. Voilà. Hein ? Mais remarque, Lévi, elle part vite, hein. En un petit combat, ça peut être une catastrophe pour nous. Je n'ai pas besoin de ce droïde. Sauvegarde rapide. Oh, j'ai trouvé le bouton. Tant pis. Je pense que Mission devrait bientôt gagner un niveau aussi. Bien sûr. Facile. Hey, vous ne devez pas venir ici. Bradjik a dit que seulement les gars du labo sont autorisés à venir ici. Je suis le nouveau mec du labo que... Bradjik a employé, j'imagine. Ah, c'est toi. Ok, alors... Imbécile, Bradjik n'a pas engagé de nouveaux laborantins. C'est probablement un espion bec. Hein? Oh, des espions bec? Les becs, mais maintenant. En langage cochon, ça donne pas un truc hyper ragoûtant, hein, mais...
Lui il est stun, il est mort. Un ennemi stun dans... Enfin même nous, stun, c'est fini hein, dans le jeu. Un Ithorien. Non mais l'Ithorien, je suis pas sûr que c'était la plus grosse menace au monde hein. Quoi ? C'est bon. Facile. Un paquet d'épices, programme d'instruction. Oui. Ok. Du coup l'épice. Ok, tu as réussi à obtenir un procédé d'épices depuis l'espace du beau Vulcar, de la base Vulcar. Aucun doute que ça a une grande valeur. Ok, j'ai besoin d'une carte pour aller au niveau supérieur. Sûrement la salle de contrôle en fait. Et oh ! Qu'est-ce que c'était ça ? Qu'est-ce que c'était ? Six à 16 plus 7, 4 à 15 plus 8. Ah, je connaissais pas. C'est à demain. Annulé, tu restes avec ce que tu as, mais toi. Si je te dis d'enlever tout, et tu mets ça. Ah, ça prend les deux mains. 2 à 13. C'est beaucoup moins bien que ça. 4 à 13, ouais. Bon. Ce n'est pas comparable. Oui. Si c'est comparable, mais. Perso, je préfère, je pense. Bah, vous me direz ce que vous en pensez, hein. C'est bon. Bien sûr. Qui êtes-vous ? Seulement les gars du labo technique. Technicien du labo sont autorisés. Les labos techniques. Sont autorisés à être dans la section de la base. Vous avez mieux. Vous ferez mieux d'avoir quelque chose à faire ici ou j'appelle les gardes. De me dire ce que vous faites ici ou j'appelle les gardes. Très bien, j'appelle les gardes. Tu sais même pas ce que j'ai dit. Oh non, il a buté la mission. On s'en fout. Voilà. Merci d'avoir essayé. Merde, il a vraiment appelé les gardes. La mission est stun et je gagne une carte de Zach plus 4, c'est ça le plus important, je pense. Ok. De ton côté, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air de gérer, hein? Je viens t'aider. Ok, il a eu tout seul. Non mais moi j'aime bien les gardes, hein. C'est de l'équipement, c'est des crédits, c'est... plein de trucs aussi sympathiques que ça. Blaster bridé. Ok, il me semble qu'on a tout fait. Allez. C'est bon. On va se garder. Bien sûr. Go. Oui. Aïe 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 aïe. On va diminuer notre défense du coup. Au profit de l'attaque. Non. C'est une blague. Non, c'est une blague. J'en étais sûr. C'est une énorme blague. Ouais. 3h03 à 3h25. C'est bien, les sauvegardes me servent, mais. Du coup, je pense que c'est l'heure de dire au revoir. Oui, bon, je suis pas sûr, mais. Je vais juste les éclater et on se dira au revoir là-dessus. Oui. Facile. On fait ça. Toi aussi, tu le cibles lui avec ça. Et toi, tu fuis, voilà. Maintenant que tu as fui, on peut repartir dans mon pied. Regardons ce que tu as. 1 à 6 de dégâts. 1 à 8. 1 à 10. On va la jouer bourrin. Double blaster lourd. Non, je vais mettre le blaster de carte d'un côté.
Sûrement l'autre sens, en fait. Blaster lourd ici et Blaster Cars ici. Je pense pas qu'il ait... S'il a aussi une pénalité, c'est pas grave. Du coup, on va continuer à courir un peu. Parfait, ils ont arrêté de suivre. C'est la volonté. Bien sûr. Ok. On maximise les attaques de puissance. Ah! Hein? Merci Tyrone, j'y croyais plus. Bien, bon bah. Les combats sont encore durs pour l'instant. Eh bien, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode de KOTOR. Hein. Je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour un épisode de The Witcher. Parce que oui, je vous l'ai sûrement annoncé là depuis. Mais les épisodes de The Witcher et de KOTOR sont à présent le même jour et vont juste être séparés. Bah, ça va sortir une semaine sur deux quoi. KOTOR une semaine sur deux, The Witcher une semaine sur deux. Sinon, j'ai temps d'upload pas possible, deux jours et quelques. Plus le temps du tournage, l'installation et tout ça. Bref, tout ça, ce sont les aléas de ça. Donc, on fait la sauvegarde Tyrone 12. Et je vous dis, salut!